Concours des 1000 abonnés, j'ai pas fait de pub au niveau du lot que j'allais vous offrir parce que je voulais surtout que les chances de gagner ce lot aillent aux personnes qui sont le plus souvent présentes sur la chaîne. Ce qui me paraît tout à fait normal. Et du coup, vous vous retrouvez 74 ou 74 participants. Ce qui est plutôt cool, ça va me faire moins de noms à écrire. Et vous, ça va vous donner plus de chances de gagner ce fameux lot. Et en plus, on va pouvoir reprendre l'ancienne méthode de tirage au sort qui se trouve sur le super site de la chaîne. Donc ben, merci à eux. Mais avant de commencer ce petit tirage au sort, on va maintenir un petit peu le suspense. Tu parles d'un suspense qui fait avancer rapide les cinglés. Et on va se gratter de Rento, en espérant évidemment... Et comme d'habitude... décrocher... du très lourd. C'est parti pour le premier de ces Rento, et je dois dire que l'avantage avec ce jeu, c'est qu'il est rapide à gratter. Il rapporte pas grand chose, mais ça, bon, c'est un peu comme tous les jeux. Et puis on a toujours la photo de ce célèbre coup qui, lui, manifestement, a l'air gagnant. Espérons que sur les prochains tickets, ce sera ma tronche qui sera imprimée. Allez, on passe aux choses sérieuses et on se gratte, une fois n'est pas coutume, la rente à vie avec les numéros 46, 7, 35 et le numéro 6. Alors ce ticket, il a l'air particulièrement dur à gratter, j'espère qu'en dessous, ce sera pas la même chose parce que là, de la matière, il y en a à gratter. On y va avec le numéro 17, le 39, le 27 avec la magnifique rente à vie de 5000 ou de 800000. C'était du lourd. Et puis en dessous, on avait le 34 avec de nouveau une rente à vie un petit peu plus petite, mais bon, qui m'aurait pas déplu quand même. On continue avec la deuxième case, avec le numéro 48, 33, par contre, 23, je sais pas pourquoi. Ensuite, le 22, et puis le 11, avec de nouveau une rente à vie. Alors, j'ai l'impression que pour ce ticket, c'est mal barré. Mais c'est pas grave, on enchaîne avec la troisième case. Avec une nouvelle rente à vie et le numéro 4, qu'on n'a pas, forcément. Et puis le numéro 31, avec un 10 000 qui aurait déjà été tout à fait satisfaisant, mais qu'on n'a pas non plus. Bon, on enchaîne, la dernière case. Alors, est-ce qu'ils ont aussi décalé les numéros comme d'habitude? Alors, on a le numéro 45, le numéro 19, le 41. Je sais pas pourquoi ils sont pas foutus d'imprimer ces tickets correctement. Et puis, le numéro 25. Ah, alors là, autant pour moi, en fait, les numéros sont à peu près bien imprimés. Ok, donc ben pour ce ticket, on se rend compte qu'on n'a rien gagné. Et pour les gens qui seraient curieux de voir ce qu'il y a sous le capital, c'est exactement les mêmes numéros. Je vous les montre tout de suite. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Deuxième et dernier ticket, bah oui, forcément, il y a le tirage au sort après, donc on va pas non plus trop perdre de temps. Alors, on y va. Ce coup-ci, on se fait le capital avec le 47, le 48, le 37 et le 28. Ok, allez, c'est parti. Première case, ils sont où? Ah, voilà, il est là. On a le 15. Voilà. Enfin, on a le 15. On n'a rien du tout. On a le 23, le 16 et le 38, de nouveau avec la magnifique rente à vie. Et nous, on avait le 37. Ouais. Deuxième case, le numéro 26. Billet gratuit. Et pourtant, c'est pas ça qui leur ferait un trou au cul. Ensuite, on a le numéro 36, à la place du 37, comme d'habitude, avec un 4000. Et puis, on a le 7 qu'on avait sur le ticket précédent. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a un 22 qui nous sert à rien. 500 balles. On enchaîne avec un 39 et de nouveau une magnifique rente à vie. Ensuite, on a le numéro 11. Qu'on n'a pas non plus. Hein, c'est pas surprenant. Le numéro 31, 50 balles, ça aurait quand même fait du bien, mais bon, même pas. Et puis on a un numéro 46 à la place du 47 avec un minable 10 balles, mais ça, ils sont même pas foutus de nous l'offrir. On continue avec un 49 à la place de notre 48 avec un petit 40 balles, mais bon, c'est vraiment des... Bref, le numéro 13, il y avait 500. Et puis ensuite, on a le numéro 29 à la place du 28. Mais bon, là, il y avait la rente à vie et les 325 000. Malgré que je dise le nom du gagnant au moment où son numéro sortira, je vous demande quand même d'être attentif à la liste qui va suivre parce que je me suis quand même fait chier à la faire. Alors maintenant que vous avez tous bien regardé cette liste, je vous présente le lot que le premier numéro tiré va gagner. Une tablette Zen.
une tablette Sony Xperia Z2. Bah ouais, pour les 1K, je trouvais que ça valait le coup de faire un petit geste un petit peu plus gros que d'habitude. Et pour être franc avec vous, et vous vous en doutez bien, c'est pas du matériel neuf, mais je m'en suis très peu servi. De plus, si je m'amusais à la revendre, j'en tirerais au grand max 50 balles, donc je préfère vous l'offrir. Et puis je me vois bien encore aller livrer la tablette à 80 bornes de chez moi, donc quand j'ai fait l'aller-retour, l'essence et tout le bordel, je reviens, j'ai plus de tablette. Mais j'ai pas de fric non plus. Et puis pour les deux autres lots, ce sera comme d'habitude, des tickets à gratter d'une valeur de 10 francs chacun. Allez, c'est parti, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. On y va pour ce premier numéro et on va voir qui va gagner cette tablette. C'est parti. On y va, et c'est le numéro 48. Alors, on va tout de suite regarder qui est le numéro 48. Le numéro 48, ouf! Eh ben, c'est le repère des prospecteurs. Alors, ben, le repère des prospecteurs, ben, bravo à toi, tu viens de gagner la tablette Xperia Z2 qui est là. Bravo. On y va maintenant pour le deuxième numéro. C'est parti, on y va, on clique et puis on a le numéro 87 ou 87. Alors, numéro 87 ou 87, il n'a pas été pris. Donc, ben, on peut continuer, c'est plutôt cool. Allez, on enchaîne avec le numéro 7. Alors, on va tout de suite regarder qui est le numéro 7. C'est parti. L23. Ouf. Ah, dis donc, c'est que des habitués. Donc, bravo à vous deux. Et puis, bah, on va continuer avec le troisième numéro. C'est parti. Avec le numéro 82. Alors, c'est cool. C'est la première fois que ça arrive comme ça, qu'il y a un petit peu plus de suspense. On enchaîne avec l'autre numéro, qui est le numéro 84. On n'a toujours pas de gagnant. On continue avec un autre numéro et là c'est le numéro 42. Alors voilà notre troisième gagnant. Alors le numéro 42, qui est le numéro 42? Bibi Seb. Alors Bibi Seb, tu viens de gagner aussi 10 francs de jeu à gratter, loterie suisse romande ou FDJ. C'est toi qui choisiras. Alors bravo encore une fois pour les trois gagnants. N'oubliez pas de me contacter à l'adresse mail qui s'affiche maintenant ici pour que je puisse vous envoyer ce que vous venez de gagner. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit concours vous aura fait plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Pour ceux qui sont au travail, forcez pas trop, pensez à vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!